cooking, kissing, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some, never mind, just let me know. Ce vlog va être une catastrophe, je le sens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 27 mars, mardi 27 mars. J'avais pas spécialement envie de vlogger aujourd'hui, mais parce que je suis très très fatiguée. Mais finalement je me dis que ça peut être pas mal. Donc dans un premier temps, il est 10h05. Je suis, depuis que je suis rentrée de l'école, je suis devant l'ordi. J'ai répondu, oh mince, attendez deux secondes. Hop, stop toi deux secondes, voilà. Donc je suis, en fait je me suis posée et je me suis rendu compte que j'avais plein de commentaires YouTube qui n'apparaissaient pas sur l'application YouTube Creator, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup il y a plein de commentaires que je n'ai pas vus et que du coup auxquels je n'ai pas répondu. Donc c'est ce que j'ai fait en fait dans un premier temps. Après j'ai mis un vlog en ligne, enfin à charger sur YouTube pour que vous l'ayez cet après-midi. Je crois que je l'ai mis vers 4h, je crois, il me semble, je suis pas sûre, 4 ou 6h, je sais plus trop. Je suis en train de me tâter en fait sur l'heure de publication, en fait, je sais pas trop si vraiment ça change quelque chose ou pas. Au départ, je la mettais à 9h30 le matin, mais des fois, je me dis qu'en fait, j'ai vraiment envie de vous la mettre dans la journée, et je me dis que vers 4h ou 6h, ça peut être pas mal, puisque moi, en fait, je rentre du boulot vers 7h30, donc je pense que les premiers, en tout cas, ceux qui me suivent vraiment, dès que ça sort, voient mes vlogs dans la foulée, et puis bah, du coup, j'ai déjà des petits commentaires, même si c'est qu'un ou deux, j'ai déjà des commentaires, donc ça me plaît aussi. Donc je vais voir. Dis bonjour à la caméra, Nitro. Bonjour, on dit bonjour à la caméra. Oui, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Bon, bref. Donc dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait. J'ai chargé une vidéo. Puis après, ben, dans la continuité, hein, j'ai... Bonjour. Dans la continuité, j'ai commencé à monter un vlog. Et là, du coup, je suis en train de le monter. Je me suis arrêtée deux secondes parce que je me suis dit, bon, ça peut être pas mal, en fait, à filmer. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Vous attendez pas un truc extraordinaire non plus. Du coup, je suis partie me préparer un petit bol de céréales avec du lait. Et puis voilà, après j'ai plein de choses à faire, hein. J'ai vraiment plein de choses à faire. Je suis débordée de ménage, mais voilà, je prends quand même du temps pour moi. Je suis très très mal désorganisée, donc bah, c'est compliqué de gérer. Mais enfin, je suis toujours vivante, même si je ne vous prends pas, enfin même si j'arrive pas à monter les vlogs dans les temps. Je vous assure que je suis toujours à fond YouTube, à fond vidéo, à fond filmage de vidéos. Mais au niveau du montage, j'avoue, je suis un peu débordée. Donc là, j'essaie de récupérer un peu du retard du coup en montant les vidéos. C'est pour ça que je voulais pas spécialement vlogger aujourd'hui parce que je me suis dit, ouais, si je fais, soit je filme et puis dans ce cas, je vais oublier le montage, soit je monte, mais dans ce cas, faut que j'oublie de filmer parce que sinon, j'arrive pas à faire les deux. Donc voilà. Donc là, petit déjeuner. Après, je vais m'activer à mon rangement. J'ai ma cuisine à faire. Il reste le plat d'hier que j'ai laissé comme ça avec une assiette par-dessus et puis basta. J'ai mis mon lave-vaisselle à tourner, mais j'ai oublié de mettre deux assiettes qui étaient dans l'évier. Et oui, parce qu'il faut être forte pour faire ça. Il n'y a que moi pour faire ça. Nolan a déjeuné, il a laissé son bol, enfin il avait laissé son bol sur la table du salon ce matin. Bon, comme d'habitude je le mets dans l'évier, mais voilà, je m'en occupe que quand je rentre. Donc là voilà, j'ai ça à faire, j'ai un petit peu de linge, enfin j'ai du linge plié mais à ranger. Et j'ai une machine qui est prête, enfin qui est sortie, qui est terminée de se laver et qu'il faut que je mette à sécher. Et j'en ai une qui a terminé de sécher et qu'il faut que je plie. Donc j'ai pas mal de petites choses, mais de toute façon vu le temps, autant vous dire que je ne vais pas m'ennuyer. Et je vais faire ça tout à l'heure quand je récupérerai Nolan à l'école. Je vais vous montrer un peu le temps qu'il fait dehors. Bouh, pas beau du tout, pas beau du tout. Et regardez ma ciboulette, elle a bien repris. Hein. Elle était toute. Bon, faites pas attention à l'état de mes carreaux. Hein. Vous comprendrez que je n'ai pas envie de faire le tag ménage de suite parce que je ne suis pas très à jour sur mon ménage. Mais voilà, ma ciboulette est en pleine forme. Elle a même de quoi faire des petites fleurs, je sais pas si vous voyez. Attendez. Vous voyez, elle fait des petites fleurs. Bon, les petites fleurs sont pas en bon état, mais
Mais elle commence à faire des petites fleurs, donc c'est assez cool. Mais bon, vu le temps qu'il fait, voilà, un coup elle prend chaud, un coup elle prend froid, mais elle tient le coup. Je suis assez contente. Bref, voilà, j'ai plein de choses à faire, mais on va y aller tranquillou, tranquillou, tranquillou. Il faut peut-être que je mette du lait dans mes céréales, parce que du coup, je suis partie chercher mon appareil photo à l'arrache, super vite. Le problème, c'est que j'avais commencé à mettre mes céréales dans mon bol, hop, mais j'ai pas mis le lait. Donc ça va être un peu sec. Voilà, bref. Sur ce, je vais finir mon montage et puis je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai avancé dans ma journée. Le petit déjeuner idéal, c'est quand même ça. Hein. C'est quand même quand on pique les céréales de son gosse et qu'on pique aussi la petite cuillère de son gosse parce que lui ne l'aime pas. Elle est mignonne pourtant. Regardez. Il y a un petit hippopotame dessus. Alors certes, il est en jupe, mais c'est une cuillère qui est, ma foi, parfaite. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, on s'en va sur l'ordinateur. Bon, j'aime pas du tout la coupe que j'ai là, mais c'est une horreur. Il faut que je me lave les cheveux en fait. J'ai chargé mon vlog 73. C'est bon, il est sur YouTube. Il sortira pour vous à 17h aujourd'hui. Le 74 est en train de. Enfin, je viens de le terminer et il faut que. Là, il est plus grand. Enfin, j'ai plus qu'à le faire charger sur mon logiciel avant de le mettre sur YouTube. Je viens de m'allumer la télé. Je suis en train de regarder la fin de. Enfin, en train de regarder. J'écoute. Comment ça s'appelle? Desperate Housewives sur la 6. Et j'attends tranquillement, tranquillement, mais je m'occupe quand même que les cœurs brisés commencent parce que bah, j'aime bien regarder ça entre midi et deux. Je pense à rien d'autre qu'à ça et c'est un peu mon moment déconnexion. Hein. Vous savez que je regarde bien, enfin j'adore les trucs bêtes comme ça. Je suis pas très compliquée, ce genre de choses voilà, me laisse penser à autre chose, me fait penser à autre chose. Et j'ai pas besoin d'avoir un grand film d'action pour être à fond devant la télé. Moi, il me suffit d'un rien, d'un preuve. Pour être à fond devant la télé. Donc là, j'ai mis Desperate en fond sonore parce que je les ai déjà vus. Et puis ben là, je vais commencer à faire ma cuisine un petit peu. Ça va être déjà ça de fait. Et quand il y aura les cœurs brisés, je me mettrai à faire un peu de linge. Voilà pour mon programme, super programme. Je sais, je sais, je sais. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est ma vie. C'est ma vie de c'est ma vie. Allez, à plus tard. Je m'ennuie moi-même, c'est fou quand même, je m'ennuie moi-même. Je sais pas comment vous faites pour me regarder tout le temps en fait. Des fois, je me pose la question. Il est 15h34. Ah, je pensais être arrivée plus tard que ça. Je suis devant l'école de Nolan. J'attends que le portail ouvre pour aller le récupérer. Il a arrêté de pleuvoir, mais j'ai l'impression que pendant que je le dis, il recommence à pleuvoir. Donc j'espère que ça va pas être le cas. Je suis sur le parking de l'école. Il y a une maman qui passe. Attendez 2 secondes. Ouais, donc je suis sur le parking de l'école. Je suis sur le parking de l'école et du coup, j'attends que Nolan sorte. Je pense qu'on va rentrer direct, il va prendre un bon petit goûter, il va se prendre une bonne petite douche, pyjama, et on va aller se mettre, on va faire peut-être une petite activité tous les deux. Je pensais à lui faire, à le faire jouer un petit peu à ses capes là, parce que c'est vrai qu'il les a eu à Noël et qu'on n'a pas beaucoup joué avec, qu'il est toujours en train de les traîner partout, à droite, à gauche, j'ai des pièces partout, mais j'ai jamais pris le temps de jouer avec lui aux capes là, donc je pense que c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Il fait pas assez beau pour sortir, il pleut pas et en même temps, voilà, il y a pas grand chose à faire non plus. Donc je pense que c'est ce que je vais faire avec Nolan. Mais avant qu'on fasse ça, j'aimerais qu'il range un peu sa chambre. Enfin, j'ai rangé un peu. J'ai pas fait le nettoyage, mais j'aimerais qu'il fasse un petit peu attention à ses affaires et qu'il prenne soin de sa chambre. Donc je vais voir avec lui si on peut faire un espèce de mini tri ou mini pré-tri, on va dire, dans ses jouets. Ce qui sert et ce qui sert pas. Et si on y arrive, tant mieux, comme ça je ferai un bon tri déchetterie, Emmaüs, je sais pas trop, en fonction de l'état des jouets évidemment. Je ferai ça et puis après j'irai. Enfin, on ira jouer surtout au cap là. En fait, dans l'ordre, on va faire un bon petit goûter.
Un bon petit rangement, une bonne petite douche, et une fois que tout ça sera fait, on jouera au capla jusqu'à ce que Chouchou arrive. Sachant que Chouchou, quand il arrive, il a prévu de se regarder un film parce qu'il doit rendre une clé USB à son pote. Et il lui reste un film à regarder sur la clé. Donc il va absolument le regarder avant de redonner évidemment la clé USB. Donc je pense que ce soir, la télé sera monopolisée par Chouchou. Voilou, voilou. Je suis repassée devant le lieu de l'accident, vous savez, là où j'ai cassé ma voiture. Là, je sais que je vais devoir remonter par cette côte parce que j'étais pas, enfin, j'avais évité. Enfin, ça fait une semaine que j'évite de passer par là pour remonter. Et ben là, j'ai pas d'eau. Enfin, si, je pourrais passer de l'autre côté, en fait. Rien ne m'empêche de passer de l'autre côté, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de repasser par là. J'ai l'impression que c'est maudit, en fait, maintenant. Rien du tout, en fait. C'est juste moi qui ai mal conduit et qui est vraiment. Vraiment pas géré du tout, mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est maudit. À chaque fois que je passe par là, j'ai l'impression que la police va m'arrêter. Vraiment, j'en ai fait un mini cauchemar le premier soir parce que, enfin, vraiment pas cauchemar, mais j'arrivais vraiment pas à dormir parce que je m'imaginais tout. Voilà, voiture irréparable, casse obligatoire. Ah, on se gare à côté de moi. Bon, je suis désolée, je vous laisse, je vous parlerai tout à l'heure parce qu'on s'est garé à côté de moi et il y a quelqu'un qui arrive en face en plus. Allez, à toutes. Est-ce que vous savez pourquoi ce petit bonhomme râle? Pourquoi il chouine et pourquoi il fait son bébé là? Hein Nolan? On leur dit pourquoi? Parce que Nolan il voulait un bonbon avant de goûter. Et que maman elle a décidé de dire non. Et elle a dit que le bonbon ce serait après le goûter. Voilà pourquoi Nolan il râle. Hein? Oui ou non? Bon, on est rentré à la maison. Nolan donc est en train de goûter. J'ai une tête de folle. Faut vraiment que j'aille me laver la tête et tout. Mais je vais absolument espacer mes shampoings. Donc forcément il y a des fois où j'ai des têtes monstrueuses. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On est à la maison, personne ne nous voit à part tout le reste qui, enfin tous ceux qui passeront sur YouTube. Donc Nolan est là, il est en train de goûter. Après je lui ai dit qu'on faisait une bonne douche. Donc lui et moi on va aller à la douche. Non, pas un bain, une douche. Non, c'est bon, maman elle a plus de sous. Donc on va se prendre une bonne petite douche, Nolan et moi, comme ça on sera propre, nickel et pas de soucis. Après on va se faire une petite pyramide de Kaplan, on va voir laquelle tiendra le plus haut. Et si ça tombe, c'est pas grave, on recommence, c'est ça qui est rigolo. Et puis voilà, puis après bah, ça va se décanter gentiment, puisqu'après il va falloir que je prépare mes patates et que je commence à faire à manger. On vient de sortir de la douche et j'ai demandé à Nolan qu'il m'amène sa caisse de Kaplan. Il m'a amené carrément sa caisse qu'il avait sous son lit, Tandouille. N'importe quoi, ce nounou. Ah, c'est là. Ouais, sauf que t'es en train d'embarquer la chaussure de Chouchou, là. Allez, Zou, on range ça. Et atelier Kapla. Pas circuit. Tu veux que je t'aide? Attends. Regardez-moi cette chambre, pas rangée du tout. J'ai laissé son linge, c'est le seul pour lequel j'ai pas encore rangé son linge. Parce qu'il y avait de la fenêtre ouverte et du coup je viens juste de la fermer. Allez, Zou, attends, je vais t'aider ce qu'il y a le tapis là. Il y a plein de saleté partout, il a dépouillé un carton. Allez, rangez. Cachons la misère en dessous. Allez. J'ai oublié de filmer hier. Enfin, j'ai arrêté de filmer surtout après Tarzan et notre pyramide de Kapla.
Ce qui fait que ben là je vous reprends, il est 14h, il est 2h30 bientôt et je reprends le boulot à 3h. Donc autant vous dire que finalement j'aurais pas beaucoup vlogué ben, ce matin déjà d'un. Et pas beaucoup vlogué hier non plus, mais bon sinon après c'est trop long. Donc là je reprends à 3h et je voulais vous montrer en fait un petit truc. Ça fait très bizarre, je sais, vous allez me prendre pour une folle, là pour le coup je me suis vraiment ratée. J'ai coupé ma frange. Et je déteste parce qu'en fait j'ai un épi et ben j'ai lissé mes cheveux avant en fait et puis après là je me suis rendu compte que ben, j'avais oublié que j'avais lissé mes cheveux. Ce qui fait que j'ai un épi juste là et du coup c'est voilà j'ai coupé mais ça remonte. Alors que d'habitude quand je coupe à la hauteur, enfin comme d'habitude en fait je les lisse après ce qui fait que ça fait moins court que ça. Et là du coup j'ai un peu les boules. Bon ça se voit pas beaucoup hein, mais enfin ça dépend comment je mets mes cheveux. Mais ouais, là du coup, je sais pas, la façon dont ils sont coiffés, dont ils sont lissés, fait que ça se voit beaucoup. Enfin, aujourd'hui en tout cas, ça se voit beaucoup et ça me perturbe pas mal. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Que voulez-vous, je me suis ratée. Il fallait bien que ça m'arrive. C'est con parce que j'avais, je trouve quand même pas trop mal réussi ma coupe au départ. Mais bon, c'est comme ça. En plus, j'ai envoyé un message à ma mère ce matin pour lui dire vraiment rattrape-moi ça, comment je peux faire pour rattraper. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais déjà dit dans un vlog que ma mère était une ancienne coiffeuse. Donc en général, ça a toujours été elle qui m'a coupé les cheveux, sauf peut-être à force de en grandissant, peut-être à partir de 17-18 ans, j'ai confié mes cheveux à quelqu'un d'autre dans 18 ans. Mais sinon, ça a toujours été ma maman qui m'a coupé les cheveux. Et donc du coup, je me suis dit, bon, elle va forcément rattraper ça, c'est obligé. Maman, elle est bonne pour ça, elle va pouvoir me rattraper ça. Et en fait, hier, ce matin, elle m'a dit, ben voilà, laisse comme ça, laisse pousser. C'est pas si mal que ça. C'est bien coupé, mais voilà, c'est l'épi qui fait que ça remonte. Donc voilà, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, que voulez-vous. Ça m'apprendra à tenter. À force de tenter le diable, ben voilà ce que ça donne, que voulez-vous. Au pire des cas, je vais voir avec Chouchou. Et au pire des cas, j'irai voir le coiffeur voilà, pour qu'il essaie de me rattraper au moins la frange. Voilà, s'il touche pas au reste, c'est pas très grave, au moins pour là. Et puis le reste, c'est pas grave, on attendra, mais au moins la frange, si on peut rattraper. Bon, couper plus, non, mais cacher avec vous voyez, les petites épaisseurs là, ça peut être pas mal, donc on verra. Donc du coup, pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà, ce midi j'ai mangé un sandwich et je me suis fait une petite banane avec un petit peu de cœur chocolat. Par dessus c'était très très bon et je suis contente parce que du coup je vais pouvoir faire ça un petit peu à Nolan. Il adore les bananes et ça fait très longtemps que je n'en avais pas acheté et là je sais pas pourquoi on est allé faire les courses tous les deux, du coup bah, il m'a demandé des bananes et je lui ai pris des bananes. Voilou. Sur ce je vais commencer à me préparer pour aller travailler et puis bah, du coup je vous reprends peut-être ce soir et au pire des cas si je vous prends pas ce soir bah, je vous reprendrai demain voilà comme ça en coup de vent un petit peu à l'arrache. Voilà. Allez, j'espère que j'ai bien rattrapé. Enfin, je trouve que j'ai quand même pas mal rattrapé mon retard, en tout cas ces derniers temps. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup vlogué finalement, donc ça m'a permis de rattraper pas mal de retard. Je crois que je suis au 8, 12, 8, 8 mars, je crois. Donc ça va à peu près, je suis pas trop trop mal. Sachant que j'ai des jours de repos qui arrivent, donc avec un peu de chance, je pourrai faire un peu plus de montage. Excusez-moi. Je suis toujours fatiguée, hein, mais pour autant j'ai des jours de repos, mais je suis toujours très fatiguée. Enfin, le rythme est tellement, tellement soutenu que j'ai pas de jours de repos fixe, on va dire. Depuis, enfin si, j'ai des jours fixes, mais ça suffit pas en fait. Du coup, c'est compliqué de récupérer. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Voilà. Titi, tu dis bonjour? Fais pas la tête. Titi, il fait la tronche. Je sais pas, depuis ce matin, il veut pas trop jouer avec moi. Il veut jouer avec tout le reste. Ça, c'est une paire de lunettes, mais elle a plus de carreaux. Hein. Hop, c'est à Nolan. Il les a piqués à sa grand-mère. Bonjour, mon Titi. Ça y est, tu veux bien. Voilà, vous voyez, il croque un peu. Pourquoi tu croques? Pourquoi tu croques? Ouais, il veut check. Ouais, check. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Oh, c'est vraiment vilain. Parce que j'ai pas l'habitude, en fait. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être juste parce que j'ai pas l'habitude. Parce que comme ça, ça choque moins, on va dire. Moins, ça choque moins. Bref, allez, à toutes. Ce soir, on a dit adieu à nos pâtes carbo et finalement, on s'est fait des pizzas. Chouchou l'a pris bolognaise, sauf que dans sa bolognaise, il y a des champignons et c'est quoi? C'est de l'origan, ça? Mais tu n'as pas les mains sales. Mais j'ai pas les mains sales. Je sais pas ce que c'est. Bon, bref, Chouchou, il s'est fait. Ah, c'est. On dirait un peu de. Comme. De la ciboulette, pas ciboulette, ce que tu mets là sur les. Sur les escargots, j'ai fait un peu de l'ail et des herbes. C'est ça.
Nolan, il a pris une champignon, enfin une classique avec des champignons. Il adore les champignons, Nolan. Et moi, j'ai pris une chèvre miel. La mienne, elle a l'air juste délicieuse. Je crois que. Aussi, j'adore les olives. Celle, ma préférée, ce serait celle de Nolan et la mienne. Celle de Chouchou, elle me donne pas du tout envie. Ouais, ouais. Bref, je vais m'en occuper. Sur ce, bon appétit et je vous reprends tout à l'heure. Et vous savez quoi? On a pris la pizza juste pour la bouteille de coca. Bon, on avait aussi envie de changer, mais bon, les pâtes carbo nous allaient très bien, mais on avait soif de coca ce soir. Et on n'avait pas de coca. C'est dramatique quand même. Ouais. Allez, à table, ça va être froid. Bon, et bien ma foi, les pizzas étaient pas trop bonnes. Chouchou, il a pas mangé toute sa pizza, il a plutôt piqué ma pizza. Nolan, il a mangé presque une demi-part de pizza. Ça va, c'est quand même correct dans l'ensemble. Pardon, vous ne voyez plus. T'as mangé 3 pizzas, oui, 3 parts de pizza. La pizza était coupée en 8, donc ça va. Là, je m'apprête à coucher, nounoun. Allez, au pas d'arc, mon chéri. Non, pas ce soir, chérie, je te dis. La page. Nolan, je te dis pas ce soir. Il faut que tu récupères le sommeil un peu. Allez. Nolan, ne me fais pas crier. On a mis le marque-page, on fera ça ce soir, demain soir. Demain soir, on se dépêchera. Ah mais comme tu regardes les dessins... Nolan, comme tu regardes les dessins animés au lieu de manger, voilà, on perd du temps et maintenant c'est trop tard. Allez-y, paddock. La deuxième, oui. C'est celle-là. Ouais, allez. Maman. Comment on dit en anglais bonne nuit? Je sais pas. Good. Good night. Good night.